Ça, moi aussi, je m'avais guetté parce que c'est pas à Facebook. Je dis que Lolo Pipi est là-bas. Elle a lavé Lolo Moulemba grave. Elle dit que Lolo Pipi a fini avec Lolo Moulemba. Hé, hey, toi là. Elle dit à Lolo Moulemba que toi là, tu qui baise les 20 euros, les 50 euros, les zap, 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 zap. Hein? Qui fait ceci, qui fait ceci. Moi, je te le dis, hein? Tu n'es rien. Tu crois que tu sais une fierté de dire que j'ai construit mon immeuble avec la vente d'argent du piment. Tu crois que moi j'ai construit le camp avec l'argent? L'argent du piment! Le piment! Les Indolé Moulema, elle fait ces choses avec l'argent du piment, ça fait quoi? Donc si tu n'as rien fait avec l'argent de ton piment, c'est ton problème. Hein? On arrive. Si toi tu n'as rien fait avec l'argent du piment, nous on s'en fout. Nous on a fait avec l'argent du piment. Eh oui. Elle est sérieuse, hein. Voilà, donne le moulin, je t'ai dit, non. Tu vas sentir qu'à Facebook, il n'y a pas d'amitié. Surtout dans les stands bracata. Les stands bracata, on se soutient mutuellement comme ça, là, mais pas l'amour profond. Comment Lolo peut se lever? Dit que Lolo Moulema se vante qu'elle a construit l'immeuble avec l'argent du piment. Ma, tu es dans quel monde, ma? Yeah. Il y a ceux qui travaillent, oui. Il y a des gens comme moi, comme ça, là, moi, c'est l'argent du piment, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laisse ça, tu n'as rien à dire. Hein? Disons que la maison, c'est la maison de Kankam, elle consiste avec l'argent. Elle travaille où? Hein? C'est le petit contrat de 300 euros, 200 euros qu'on lui donne là, qu'elle va finir, disons, sa maison là. C'est le piment! Maman! Donc si toi tu n'as rien fait avec l'argent du piment, donne moi ma bravo. Continue-toi à vendre ton piment. Mais il faut d'abord regarder l'argent, quand tu donnes l'argent, pour savoir si c'est un vrai billet ou c'est un faux billet. Parce que les faux billets de 50 là, ça ne passe pas dans nos oreilles. Laisse les gens tranquilles, pipi. Si tu as vendu ton piment depuis des années, à Cannes, à Monaco, comme tu nous as souvent dit, tu n'as rien fait avec elle, c'est ton problème. Les gens doivent mourir comme ça. Ma petite soeur. Moi, je t'aime moins Ndole Moulema. C'est la mère des cinglés à Facebook. Et vous connaissez ça, là, Antoine Bacho. Antoine Bacho, il s'est mal allé couper. Il fait comme il dit que c'est souvent coupé là. Quac, quac, quac. Il a dit que j'ai rien aujourd'hui jusqu'à. Antoine Bacho est parti se mal couper comme là où c'est chaud. Laissez-nous avec les piments. Nous, on adore les piments. Ah, Facebook, hein. La rentrée scolaire, ça va être bien, hein. Ça va être bien à nous jusqu'à. Aïe. Les Japas vont encore sortir, les Japas. Chaud, chaud. Les Japas. Ouh, ah, ouh, ah. Ouh, ah, ouh, ah. Ouais. Il va faire beau aujourd'hui, hein. Rosefait, ben, je t'appelle après. Quand je vais mettre ta photo dans mon mur, tu sauras. Ah! Quelqu'un se vante que j'ai conçu mon argent, mon immeuble avec mon argent, la vente du piment. Ça vous dérange où? Après, toi, là pourquoi? Oh! C'est une volée ma tranquille. Dolez ma. Il faut arrêter aussi, hein? Que toi-même là, laisse-nous un peu tranquille. Va un peu te reposer. Voilà ton homme qu'on a mis dehors. Voilà l'homme de truc qui était un beau gosse comme ça caché. Le voilà maintenant qu'on a mis. On met à sa dictée dehors. Toi-même, où tu faisais quoi? Où? Quand ma pépé montait les trucs, maman a vu comment ton zou dehors. Hey! Maman. Tu donnes le téléphone à une blogueuse et si tu étudies encore la personne. La personne a les trucs compétents ou c'est compétent ou c'est quoi contre toi. Toi, c'est tu quand tu l'as insulté. Ok, mais à l'aise comme ça, non? Ah! Tu vas voir la crise cardiaque ici. Je te dis, oh, tu ne connais pas Meta. Faut être dur, hein? Moi, je suis mort en terre depuis des années.
dans le sujet. Je fais la partie des meubles de Meta. Moi, je m'en fous. Pipi est jalouse, hein. Hey, Marco. Marco, la vendeuse première internationale. Maman a 58 pays. Si tu as vendu ta part de piment, tu n'as pas construit ton problème. Hein? Nous, on a vendu, on a construit. Oh, ah. Ah, aïe. Ouais. Meta. Na pop, on a yélélé. En plus, aujourd'hui, il y a le bus. Hein? J'ai dit que... Moi, j'ai vendu et je vends où? Ça ne chauffe pas, ça ne dérange personne. Laissez le vendeur de piment tranquille. Si vous avez vendu le piment, vous n'avez rien fait. Même pas un petit terrain, ça, ça vous engage et ça vous regarde. Pipi, laisse nous le moulin, ma tranquille, 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 tranquille. Oh Moulema, tu as déjà bouffé le Ndjangi jusqu'à. Tu n'as pas de Ndjangi là. Hein? Vous avez créé la main de cinglés avec celle qui est la voisine de ma pépé là. Une armée de cinglés des réseaux sociaux. Vous voilà. Il manque seulement celle qui est là-bas à Rouen là. Quand tu n'as pas venu nous trouver ici. Hein? Je me fous les mains, regarde. Je me fous les mains. Parce que quand tu n'as pas sorti, tu ne connais pas Facebook. Aïe! Bonjour. Je me fous les mains sur toi. Où c'est ma Jackie, où c'est ma Akila? Je fous les mains. Parce que quand ta part va sortir, je serai là pour écouter tout. Je vais mourir ma pardon. Calme-toi un peu la semaine-ci. Aïe! Mojang! Naïa! Qu'elle laisse un peu comme ça aussi. Ah. Tu insultes une personne matin, midi, l'amitié est forcément. Et tu fais comme moi, tu deviens zéro paix. Moi, je suis ma zéro paix. Et ça me va très bien comme ça. Aïe. Et vous connaissez quand Pipi se lève pour te laver. Maman. Hey. C'est là que ces cheveux là qu'elle a sur la tête là. Tu n'as pas chaud, Marco? Pipi, tu n'as pas chaud? Ah. Il y a un temps pour porter les perruques. Un temps pour monter nos mondiaux. C'est la façon qu'elle le dit. Vous savez ce que c'est. Tu dis que toi-même, je fais quoi avec elle?
mais je veux mes djangi. Je veux qu'elle laisse. Tu veux mettre que toi-même tu as bouffé. Moi, j'ai bouffé ma part de djangi qui n'est même plus bon. Et que je suis en train de l'insulter. C'est pour ça que vous, quand vous, quand vous êtes dans vos mental de poisson pourri, là, vous ne comprenez rien du tout. Et que je suis en train de dénigrer de les moulins, malice, c'est que te voilà qui est en train de bouffer ton djangi que laisse. Donc, tu ne me parles pas comme ça. Vous avez venu trouver les gens dans leurs vidéos, les gens parlent leurs choses. Vous arrivez au milieu. Hein? Vous arrivez au milieu, ce que vous faites seulement, c'est venir vous. Tu ne peux pas t'attaquer à moi. Hein? Hein? Comme on appelle Monique, Sylvine Bianche. Donc tu laisses tomber. Tu n'es pas star, tu n'es pas blogueuse. Tu es là seulement pour. On donne la possibilité de venir te défouler. Donc ne te défoule pas sur moi. Tu n'étais pas là au début, je n'ai pas insulté nous les moulins ici. Moi, je suis seulement en train de rire leurs choses. Comme elle aussi, elle peut rire sur moi. Donc voilà, je n'aime pas ce. Vous avez les analyses tellement bêtes. Et idiot. La fille est même où non? Ah. Elle n'est pas bien arrivée là-bas en haut. Elle a mis un très bon parfum. Voilà les parfums que j'aime souvent. Quelqu'un est parti, le parfum est encore sorti derrière. Moi, je suis en train de la calmer, qu'elle laisse comme ça. Elle arrive, ok. J'ai dit quoi de mal? Les gens peuvent témoigner ici. Je suis en train, au contraire, je suis en train d'arranger les choses. Hein? Qu'elle reste un peu tranquille la semaine-ci. Qu'elle se fait un peu oublier un peu. Où elle parle de sa part, elle danse, pour aux autres. Et pour aux autres. Ma calmer, pour aux autres. Donc les zouk. Mais c'est ça. Qui est ça? Est-ce que j'ai dit quoi de mal? Vous vous comprenez que je suis en envers. Maman, la chaleur de ça. Et puis leur pelouse là sont tellement fournis, ça gâte que l'air ne passe même pas. Mais quoi, montrez vos visages, non? Faites le pot, ou bien vous faites comme moi, vous prenez les lacs. Vous faites comme moi, j'ai fait mes petits deux pompons là. Même, hein? Ah, quand les stars, parce qu'elles savent que quand elles vont monter leur mondial à Facebook, maman. Quand elles vont monter leur mondial à Facebook, c'est là alors que tu vas entendre que. On va les découper en petits morceaux comme les oignons. Ouais! Ah, la terre camerounaise. Ah, je sens que ça va être chaud. Mais si voilà, j'attends. I do what for ya. Je regarde avec ma samo. Laissez-moi dans ma joie le matin, pardon. Attends, il va aller acheter les croissants là. Il y a les croissants ici, non? Non, les croissants. C'est vrai que dans les fêtes. Il fait très beau ce matin, il faut sortir. Hein? Non, c'est pour ma petite fille tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, elle arrive. Ma petite fille. Elle est où? Elle arrive là. Alors, laisse. Ah, ça va devenir froid. Non. C'est déjà froid. Déjà, il est froid.
Au moins, si elle te fait rigoler, c'est une bonne chose, non, ma. Il faut rigoler. La vie n'est pas facile. Tu as déjà les problèmes. Si tu fais, si faut encore que tu deviens encore triste, c'est pour aller te pendre une fois. Moi, je suis dans les suicides. Faut pas. Surtout si vous qui êtes en couple là, avec vos maris là et tout ça là. Facebook ne donne pas les liens. Hein. Là, vu que c'est Facebook, c'est crié là. Crié là. Faut faire attention. Oh. Attention. Oh. Et le mari te donne le boulot, mais il est beau quand même. Hein. C'est un bon morceau. Hein. Non. Tu n'as rien dit. Ça dépend de comment moi j'ai interprété ton propos. Parce que quand tu dis que toi-même tu as bouffé le Ndjangui tranquille, ici à Facebook, laisse-moi donner le monnaie tranquille. C'est ce que tu as dit. Ça a quoi y voir avec ce que je disais. Ça n'avait rien à y voir. Laisse le vendeur de piment tranquille. Oh. Quelqu'un vend le piment avec son zout. C'est la personne qui sent les moyens là-bas. Donc, ceux qui font les salaires et qu'ils économisent pour faire quelque chose dans leur vie, dans leur petite vie, dans la vieillesse, c'est une bonne chose. Ceux qui font et qui achètent seulement les make-up et les perruques et les habits, ça c'est autre chose. Donc laissez ceux qui au moins qui bâtissent. Moi je suis pour ceux qui font le piment, la vente de piment et qui bâtissent, ça c'est une bonne chose. Si tu vends le piment, tu connais seulement que tu dois manger, tu dois porter le make-up, tu dois faire ceci, ça sert à quoi? Et la vieillesse, ce sera comment? Dans la vieillesse, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Tu crois que ce sont les enfants que vous êtes en train de faire grandir là qui vont vous aider demain? Non. C'est vous-même. Moi, ils ne comptent pas moi sur mes enfants, ils comptent sur moi. Hein. Mes enfants ne me demandent rien. Donc moi, pour moi, vivre comme le Pacha. Je suis sûr que dans ma vieillesse, je ne veux pas demander que aidez-moi, oh, ma voici ici, oh. Comme je fais souvent là, non. Et bien, n'est pas vous autres. N'est pas vous autres. Ah, quand même, n'est pas vous autres. Pas vous autres. Mais il y a beaucoup de bus ce matin, hein. Donc chaque personne doit faire sa part, mais Waros, vous entendez, non? Tout le monde n'est pas de la même famille, à ce qu'ils sont des familles des riches ici. Oui, il y a les gens qui ont des familles dans les grandes familles, hein, que les frères, les soeurs ont construit les immeubles, qui ont fait plein de choses. Hein. Regarde-moi, tu tournes les yeux sur qui? Hum? C'est que tes médicaments que tu bois là, te pas la tête. Hein. Regarde-moi son coup de chip, si tu as pu le coup, mais tu vas dire quoi? Maman, tu peux compter sur les enfants. Maintenant l'enfant, je dis maman, moi je n'ai pas, hein, les enfants maintenant, nos parents pouvaient compter sur notre génération, nos familles pouvaient compter sur nous, maintenant là,